panier de légumes. Élise, bonjour. Bonjour. Quelle est la meilleure technique pour manger un blé d'Inde? Bon, ben, c'est sûr que pour ceux qui ont les dentiers, je dirais vraiment, là, hein, tu le tiens bien, et puis avec un espèce de petit couteau, un petit truc, là, ben, évidemment, tu le... Bon, tu libères les grains de la de la forme, là, du tronc. Mais sinon, moi, c'est sûr que ce que je portais à faire, c'est de vraiment faire des allers-retours. C'est ce que je trouve le plus... le meilleur, puis c'est comme si on a l'impression qu'il nous en reste toujours plus, je sais pas, ouais. Non, je suis pour l'aller-retour. Ça me rend heureuse, gruger du blé d'Inde. Comment te décrirais-tu en 300? En 300? C'est... Le vin. C'était la mer. La mer. Mais je n'ai pas bien fait. Mais le vin, ça serait plus... Ah oui. J'adore manger. Alors, le... Ouais. C'est ce qui te représente le mieux? Oui, la mer, le vent, puis le goûter, ça me résume pas mal bien. Si tu pouvais danser avec les loups, quel type de danse choisirais-tu? Je ferais sans doute... Je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais du pole dancing. Ouais. C'est une danse que tu pratiques souvent? Pas tellement, parce qu'il faut quand même avoir, une force physique assez incroyable. Avec le loup, je ferais ça, ouais. Qu'est-ce qui serait le plus difficile pour toi? Avoir quotidiennement la diarrhée ou être continuellement constipé? Eh bien, je pense que ce serait d'être constipée. Oui, je souffre beaucoup, moi, quand je me sens gonflée. Puis je suis très de mauvaise humeur quand je suis constipée. Ça se ressent. Et constipée, là, t'es là pris dans un bloc, c'est terrible. Terrible, d'ailleurs, je ne vois pas ça à personne, puis c'est même pas bon pour la santé. Mm. C'est vrai. Élise, merci beaucoup. Hey, c'est moi, c'était un vrai plaisir, c'est un bel échange. Le panier de légumes.